Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le député du Nord, Gérald Darmanin, UMP, a traité Christiane Taubira, la garde des Sceaux, de tract ambulant pour le FN. Ses propos sont-ils racistes? Écoutez ce qu'en pense Éric Woerth, le député UMP de l'Oise. Il était tout à l'heure à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Lecabache pour l'interview politique d'Europe 1. Il n'y a rien de raciste, mais rien de raciste. Il n'y a pas une once de racisme. Heureusement, d'abord, c'est tout à fait ignoble. Mais c'est un adversaire politique. Elle n'a pas non plus le droit de se réfugier derrière cela. Donc c'est une adversaire politique. Sa politique est une politique laxiste. Et nous la combattons. Et nous combattons Christiane Taubira comme nous combattons le gouvernement d'une manière générale. C'est notre rôle. Et en même temps, on est là également pour faire des propositions. C'est ce qu'on fait en ce moment. Voilà, Éric Woerth sur Europe 1 ce matin. Nicolas Sarkozy avait traité de gugus les 4 parlementaires français partis en Syrie la semaine dernière. Gérard Bapt, député socialiste de Haute-Garonne, faisait partie du voyage. Il a répondu à l'ancien président. Écoutez, c'était dans la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Nicolas Sarkozy a renoué avec son style de casse-toi pauvre con. Sur le fond, je pense que M. Sarkozy doit d'abord faire son examen de conscience en ce qui concerne son bilan en Libye. Le marché automobile semble aller mieux, à en croire les bons chiffres de ce début d'année. Bons chiffres en janvier, bons chiffres en février. Mais attention, pour le spécialiste Nicolas Lefrançois, tout n'est pas aussi positif que ça en a l'air. Écoutez, c'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. C'est pas une croissance réelle, c'est-à-dire que on va dire qu'à peu près 70% des ventes des Français sur ce mois de janvier et sur ce mois de février se sont faites dans ce qu'on appelle les ventes tactiques, c'est-à-dire des ventes à leur réseau, des ventes aux loueurs courte durée. Si vous voulez, ça permet en période comme ça un petit peu tendue, ça permet de faire grimper des volumes de façon artificielle. Et aujourd'hui, clairement, les particuliers, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que pour un véhicule neuf vendu, vous avez 3 véhicules d'occasion vendus. Voilà, Europe 1 vous répond, auquel vous participez tous les matins grâce à Twitter et le hashtag #1matin et grâce à notre site europe1.fr pour poser toutes vos questions. C'est à 6h45. Areva a annoncé des pertes records ce matin, 4 milliards 800 millions d'euros en 2014. On vous en parlait dans le journal de 8h notamment, c'est un sujet qui vous fait énormément réagir. Et on a une question de Bertrand sur europe1.fr qui nous demande: Areva va mal, faut-il s'inquiéter pour la sécurité de nos centrales? C'est vrai, Manuel Dutheil, qu'on parle beaucoup de restructuration, d'économie, mais la sécurité de nos centrales est-elle en danger aujourd'hui? Alors déjà, il faut voir qu'il n'y a pas de plan social pour le moment chez Areva. Il va y avoir des départs volontaires. Il va y avoir un plan de départ volontaire. Donc il va rester énormément de personnel chez Areva. Il va rester énormément de personnel compétent chez Areva, qui est vraiment le leader français du côté du nucléaire. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour la gestion de nos centrales. Elles sont très bien préparées. Il y a énormément de maintenance autour de nos centrales. Et Areva est un partenaire très important d'EDF qui exploite l'intégralité du parc nucléaire français. Pas de danger pour la sécurité de nos centrales liées à ces mauvais résultats. Aucun danger. Les précisions précises et claires d'Emmanuel Dutheil, le chef du service économique d'Europe 1. Merci Emmanuel. Michael Lamour, amputé du pied droit, s'est fait voler dans sa voiture sa toute nouvelle prothèse. Il venait à peine de la recevoir. Il a lancé un appel aux malfaiteurs. C'était ce matin sur Europe 1 à 7h30. Et c'est tout qui s'effondre, parce qu'une prothèse, ça a un coût. C'est un investissement qui est quand même de 8000 euros. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que c'est sûr, ils ont fait une grosse connerie. Ils ne pourront jamais rien en faire. C'est même pas la peine qu'ils essayent de la vendre. Ça ne se vend pas. Moi, ce que je veux, c'est récupérer ma prothèse, qu'ils la déposent n'importe où, mais dans un endroit où quelqu'un de consciencieux pourra la récupérer. Voilà, Michael Lamour qui s'est fait voler cette prothèse du côté de Brest. Et puis Jamel Debbouze était ce matin l'invité de l'interview Vérité à 7h45 pour la sortie prochaine de son film « Pourquoi j'ai pas mangé mon père », un film européen. J'en ai profité pour lui demander ce qu'il pensait de cette polémique sur la chanson des Restos du Cœur. Écoutez la réponse de Jamel. Les Restos du Cœur, c'est extraordinaire. C'est formidable, les Restos du Cœur. On doit soutenir les Restos du Cœur corps et âme. Qu'est-ce qu'on vient faire chier les Restos du Cœur? Oh, les gens, ils donnent à manger à des gens qui ont faim et qui ont soif. Vous êtes fous, quoi. C'est les gens qui perdent du temps à parler mal des Restos du Cœur sont des inconscients. Voilà Jamel Debbouze que vous pourrez entendre en intégralité sur notre site europe1.fr. Je fais partie de ces bénévoles depuis 7 ans et j'en suis très fier. Oui, les Restos du Cœur sont importants. Voilà ce que nous écrit Ragazza53 sur Twitter avec le hashtag #1matin.